Alors que la plupart des éclats nécessitent une retouche avant d'être utilisés, l'éclat levallois est, dès sa production, tranchant sur tout son pourtour. Bien qu'il puisse s'employer à main nue, entouré de peau souple ou maintenu dans une poignée de cire ou de bitume, le potentiel de cet objet ne se révèle que lorsqu'il est emmanché. Il devient alors redoutablement efficace et permet de réaliser avec puissance des coupes nettes et précises dans du bois, des végétaux ou de la viande. Le débitage d'éclats levallois marque un net progrès de la taille du silex au cours de l'évolution humaine. C'est parce qu'il possède une parfaite maîtrise de la taille des roches dures que l'homme de Néandertal a pu conquérir, entre 300 000 et 35 000 ans, la quasi-totalité de l'espace européen.